do these niggas be at when they say they doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib, sometimes I don't even know where I'm at. Hey yo tout le monde, c'est Maxi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Fortnite. Et donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire Michou fier. Donc c'est parti, on commence. Donc déjà, pour le danseur c'est simple. Alors moi j'ai mis boucle infinie, donc on va laisser en aucune. Donc boucle aucune, tempo 69, durée, alors là j'ai mis 8, mais ça c'est 80. C'est juste pour la boucle, donc là j'ai laissé 8 pour la boucle. Donc mettez 8 aussi pour la boucle et après on mettra normal. Largeur 3 et hauteur 0,5. Donc voilà. Ensuite, on va faire la mélodie principale. Donc, hop, je prends la petite cara. Juste ici. Donc c'est parti. Alors, on va commencer avec les notes grises. Donc on va faire un A carré. Un d'écart, c'est rond. A, un d'écart, E rond. A, un d'écart. D, ensuite tout collé C, encore collé G, A un d'écart E rond, A un d'écart, alors attendez parce que là il commence à faire jour, hop, tac, voilà, donc A un d'écart G rond, attendez je peux même mettre comme ça, voilà, raté, c'était le mauvais, comme ça, et encore raté. On va laisser 3 heures, c'est très bien comme ça. Donc G rond, A un d'écart C rond, A un d'écart G carré, A un d'écart C rond, ensuite A un d'écart rond, A un d'écart D rond, collé C rond, ensuite A un E rond, collé C rond, A un d'écart A carré, et à un d'écart G carré, et après il vous reste un d'écart. Ensuite donc pour les accords, donc je vais faire les accords en entier, je peux juste faire ça et après ces accords là. Donc c'est parti, on va prendre, alors donc, c'est les notes, c'est celle-ci juste ici là juste en dessous des grises, celle-là. Donc je disais, c'est un A carré comme ça, que je vais mettre là. Ensuite ça suit ici donc le pattern, donc c'est après E, D C, alors attendez parce que je voulais pas faire l'accord. Donc A ici là sur la toute première note, un A carré, un C rond, E rond et E carré. Ensuite donc tac, ça suit le pattern. Et ici donc là on met DC. Et ici on met C. Là en dessous du G là, comme ça, on met C. Juste ici. G rond, E rond et G rond. Et G carré. Après ça suit donc tac, tac, G, G, C, C. Là c'est. Ouais, là c'est G, G. Mais il y a un D rond aussi, un D carré et un B carré. Ensuite là ça suit, donc c'est D, C. Et entre les trucs ici où il n'y a rien, vous mettez un F carré, un C rond, A carré et C carré. Après ça suit donc E, C, A et G. Et voilà. Donc là déjà on a fait une bonne partie. Non. Petit spoil. ensuite la basse. Donc ici ça c'est dédoublé, donc c'est double E. Donc à chaque fois vous verrez des trucs dédoublés. Ce sera tout simplement ce sera les mêmes mais dédoublés genre. Donc E carré. Ensuite on pose des E carré jusqu'au prochain accord. Et là on met du G carré, sauf qu'on en met deux fois comme ça. Donc ça fait un espèce de L comme ça. Voilà. Ensuite on impose jusqu'au prochain accord. Donc là on met un D, on en met un seul. Donc un seul, pas deux là comme ça. Par contre vous en mettez deux comme ça. Ensuite on impose prochain accord.
on met des C carrés. Et là, on met pareil, les deux comme ça. Et les deux comme ça. Oui. Enfin, voilà. Et après, on en pose jusqu'à la fin. Donc voilà. Ensuite, pour les kicks. Donc ce sera des C hashtags. Donc pareil, ceux-là sont dédoublés. Donc c'est simple. Dès que vous voyez une basse qui est plus haute que les autres, genre une basse avec deux de basse, et bah vous mettez un kick. Donc là, tac, comme ça. Ici, c'est au prochain, donc, comme ça. Ensuite, au prochain, comme ça. Et au prochain, comme ça. Voilà. Ensuite, pour la snare. Donc ça va commencer à 1, 2, 3, 4 du début. Donc on saute un carreau entier, donc ça on le saute là. Et on va commencer dès le début de ça. Donc on met un E carré. Ensuite on va sauter. Ouais non, alors attendez, voici. Donc on va sauter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux. Et au 8ème on pose un E carré encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au 8ème on en pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au 8ème on en pose. Et après il vous reste 3 carreaux. Donc c'est pour la snare. Ensuite on va faire les hats. Donc les hats c'est des A carrés. Tout simplement. Donc on va en mettre 3 dès le début comme ça. Tac. 3 dès le début. Tac tac tac. Voilà. Ensuite on va sauter un carreau. On va en mettre 2. On saute un carreau. On en met 1. On saute un carreau. On en met un, on saute deux carreaux, on en met 1, 2, 3. On saute un carreau, on en met 2. On saute deux carreaux, on en met 1. On saute un carreau, on en met 1. On saute un carreau, on en met 3. Ensuite on saute 1, on en met 1. 1, on en met 1. Et 1, on en met pas. Voilà. Et après c'est fini. Ah oui, alors juste pour cette chose là. Donc, tout simplement, au dernier hats, au tout dernier hats. On va se mettre donc juste ici là. Tac, tac. Et on va mettre G hashtag et G hashtag en overlap. Donc comme ça, oui. Tac. Moi je les ai juste mis comme ça pour que ce soit plus stylé. Mais c'est le même. Et donc là vous avez votre boucle. Yes, le son qui bug parce que sur Switch. Donc voilà. Et après si vous mettez en boucle infinie, c'est pour ça que j'ai mis boucle infinie. Ça va se répéter. Voilà, donc là on a notre boucle. Donc on va mettre en ça comme ça. Et là on va mettre en 80. Donc vous mettez boucle aucune et durée 80. Ensuite donc on sélectionne tout. Donc comme d'habitude je vous fais un accéléré pour sélectionner. Et puis je vous retrouve quand c'est fini. Donc les gars, perso j'ai juste sélectionné la basse et le beat. Parce que je veux pas tout sélectionner ici. Parce qu'après c'est full, on peut plus sélectionner. Donc tac, j'ai sélectionné un bloc ici. Et donc tac, on va l'enlever et on va aller le copier. Donc alors attendez, je vais vous faire une petite coupure parce que je m'en rappelle plus où est-ce qu'il faut le copier. Donc je vais regarder ça. Donc ok, alors les gars, je l'ai copié là-bas, je vais juste vous montrer un petit peu comment on fait le début. Donc le début c'est simple. Alors on va tout simplement, donc quand il y a les gros accords comme ça, on va enlever, enfin on va pas enlever les gros accords mais on va enlever les trucs en dessous. Donc tac, juste ici, voilà. On laisse le gros accord. Ça on enlève, 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 on enlève, on enlève, on enlève, on enlève, et de là-bas on les enlève. Donc voilà, là ça va vous faire ça. Donc ça vous allez le sélectionner. Tac, je vais prendre un cube comme ça. Donc on copie, tac. Donc là on va aller le copier à la fin, juste ici, voilà. Et là, il y est une fois et il y est deux fois. Donc, il y est deux fois. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez copié deux fois, vous allez donc prendre votre basse. Enfin, le reste, la basse et le kick. Et vous allez la copier comme ça. Juste ici. Je crois. Je vérifierai. Au pire, on la décalera s'il y a besoin. Ensuite, on va aller prendre
une snare, donc je rappelle c'est un E carré. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc ensuite on va chercher donc encore une fois un espèce de T. Donc là on voit il y a un espèce de T juste ici là. Et on va aller le chercher. Et donc alors attendez, je regarde. Hop. Ok d'accord, c'est bon. Donc on va prendre notre snare et on va la mettre juste ici. Donc là vous voyez il y a le T là. Et le carreau du T, on va le sauter et on va le mettre là, tout simplement. Et donc voilà, ça nous donne ça. T'as pu mettre. On va inviter oui. Donc la snare, voilà, on peut la mettre là. Moi je vais la mettre là. On a de la place. On peut prendre de la place. Et donc là, on va voir que sur le prochain accord, c'est pareil. Tac, on met sur le carreau d'après. Prochain accord, pareil. Voilà, hop. Et ça sera jusqu'à la basse. Donc, tac. Hop, encore un petit peu. Voilà. Donc, je vais regarder s'il n'y en a pas un autre. Normalement, non. Tac. C'est pas. Ouais, non. Donc, ça s'arrête là. Et juste au niveau de là. Bah, ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, donc, on va tout simplement resélectionner ça. Tac. Alors, moi, je vous conseille de. Genre, regardez, on va. On va tout sélectionner là. Tac, on sélectionne le T. Hop, ça et ça. Voilà, on sélectionne pas la snare, très important. Et donc ça là. Alors, attendez. Ouais, non, avant. Donc, vous pouvez désélectionner. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon. Perte de temps. Donc, tac, on va remettre. Donc, là c'est pareil. C, double C. Ensuite, un E. Bah, ça suit tout simplement le truc. Après ça va faire DC, donc tac, le C est là, le D il est pas là-bas, il est là-bas, le D il est là, voilà. Donc tac, comme ça je le fais avec vous, comme ça vous pouvez voir. Donc ensuite ici ce sera un E. Hop, un E. Le truc il faisait mal aux oreilles, il brillait. Ici c'est un G, est-ce qu'on a un G par là? Oui là. Hop, donc on met juste ici. Après c'est un C. Les C. Ouais, non là. Voilà. Et ici, c'est E. Donc c'est. Hop, c'est. Le E, il est là. Hop. DC. Tac. Hop. Le D. Ici. Ensuite le E. Hop, et le C. Et après il y aura AG si je ne me trompe pas. A. Donc, tac, hop. Et le G. Il est là, je crois. C'est lui. Tac. Voilà, c'est raté. C'était un B. Je crois que c'est lui. Je suis pas sûr. Ok, je suis con. Hein. Qu'on se mette d'accord. Ah, il est là. Il était juste ici, le con. Hop. Donc tac, voilà, donc vous l'avez remis, donc ici tac, on va sélectionner, voilà, ensuite donc on sélectionne aussi un carreau, et on va rester appuyé, vous voyez, sur L2, donc vous, je sais pas sur quoi, avec quelle manette vous jouez, enfin, vous restez sur le bouton, vous voyez, en bas là, juste ici, alors, pardon, mauvais bouton, d'accord, ok. Bah, je vais relancer la map. Hein. Ok, voilà, donc j'ai relancé la map. Sauf que merci, maintenant c'est plus sélectionné. Ah putain, donc, bah, je vais resélectionner. Hein. Voilà. Lui, par contre, il a décidé de pas se sélectionner. Tac. On sélectionne le petit carré. Donc voilà, on va se mettre là. Et on reste appuyé là, ici en bas. Vous voyez, il y a écrit maintenir, je sais pas quoi là. Donc on maintient. Et on va le mettre. Tac. Donc moi je le mets dans la deuxième case parce que j'ai déjà quelque chose dans la première case. Mais bon, normalement vous avez rien. Puis si vous avez quelque chose, vous mettez comme moi dans la deuxième case. Et là, pareil, on resupprime les trucs où il n'y a pas les gros accords. Donc tac, voilà. C'est simple. On l'a déjà fait tout à l'heure. Comme je suis quelqu'un qui aime faire perdre du temps aux gens. Mais j'avais pas prévu tout à l'heure ça. Je prévois rien moi.
J'improvise. Donc tac, une fois qu'on a ça, donc normalement ça fait ça. Voilà, alors par contre toi, t'enjailles pas, espèce de basse, va. Voilà. Et donc là, vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait ça. Donc, d'accord, ok. Donc là, on va revenir dans maintenir, et là, on va réappuyer, et comme ça, hop, ça nous sort la musique, tout simplement. Donc, par contre, ça m'arrange pas. Je l'avais pas sélectionné comme ça, moi. Donc, tac, on va la poser juste ici. Donc là, vous le voyez par là-bas, là où je vous mets la petite flèche. Donc tac, on va le copier ici, juste ici. Hop, pouf. Donc on va le recopier encore. Copiez-le deux fois, ce sera déjà pas mal. Ensuite on verra. Donc on va pareil faire pareil avec la basse. Tac, on va la mettre dans notre inv. Hop. Donc si je ne me trompe pas, c'est bon, j'ai tout sélectionné. Ouais, hop, je vais juste sélectionner les deux petits sols. Et je vais prendre ce sol, hop là. Et on fait pareil, on le met dans la case suivante, tac. Donc on va faire hop. Hop là. Et pareil, on le copie au même endroit, c'est simple, voilà, c'est facile. Hop là, voilà, juste ici. Donc on l'a copié comme ça, c'est nickel, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, donc pour la voix. Alors attendez. Une petite seconde que je retrouve mon truc. Est-ce que je l'ai écrit quelque part ? Faut que je le retrouve. Ça doit être là. Voilà, c'est là. Donc, on va prendre ces notes-là. Donc là, on a les bleus et tout, là. Juste ici, on va prendre ces notes-là. Donc, tac, et on va chercher un A carré. Hop. Donc ensuite, on va se mettre là où la basse commence. Donc, juste ici. Et on va reculer de 2. Donc, on en met un là, comme ça. Et on va reculer de 2. 1 et 2. Et voilà. Ça on peut enlever. Ensuite on va aller chercher un C rond. Donc tac. Hop. Bah au pire les gars, vous savez quoi, je vais faire la voix et comme ça après je vous montre, parce que ça va être trop long sinon. Donc bah c'est parti, je fais ça et puis je vous retrouve juste après. Ok, donc c'est parti, j'ai tout fait et vraiment ça m'a pris bah je sais pas combien de temps. Trop certainement. Donc oula, il y a un problème là. Mais il a un problème le viseur. Mais que fais-tu? Merci. Bah du tout, du coup comme dans toutes les vidéos musique, je vous passe les trucs et puis je vous retrouve juste après.
Voilà, donc on a fini pour ça. Donc ensuite, donc on va retourner au tout début. Et il faut juste que je regarde. Donc tac. Hop. Il me semble que. Bon les gars, attendez, je regarde un petit peu et puis je retrouve juste après. Ok, donc c'est bon, j'ai regardé. Donc on va sélectionner, donc vous voyez là, il y a le tout début. Et là, on a le début de la voix. Donc on va sélectionner de ici jusqu'à... Donc ici, vous voyez, on a un petit truc comme ça. Donc vous, je sais pas si vous l'avez là. Ça vous fait une espèce de L, enfin un truc comme ça. Donc il y en a un. Ensuite, on va aller chercher le deuxième. Donc tac, juste ici, donc ça fait ça. Avec plein de trucs comme ça. Avec ça et ça. Donc alors ça, je peux le désélectionner, c'est juste pour me faire un repère. Donc si vous l'avez sélectionné, vous pouvez le désélectionner. Donc tac, ensuite on revient au tout début. On va sélectionner ce carré. Tac, on le copie et on va aller le coller juste ici. Voilà. Donc c'est comme ça, vous voyez. Là où on a les... Regardez, là on a aussi là les deux les trucs en overlap. Donc on va se mettre juste au-dessus, on descend, tac, et on copie là. Voilà. Et donc là, pouf, ça arrive jusqu'à la fin. Ensuite donc, on prend notre truc comme ça, tac, et on va le copier comme ça jusqu'à la fin. Tac. Hop. Alors là, à mon avis, ça va pas passer. Ah si, c'est bon, ça passe. Donc, tac. Ensuite, moi, ici, j'ai mis des sols. Et donc, on va supprimer, en fait, tac, tout ça jusqu'à ce que, bah, on arrive au séquenceur. Tac, juste ici. Et on supprime lui. Voilà. Par contre, la basse, elle arrive. On est bien d'accord. Ouais, juste ici. Ok. Tac, donc ça, je peux enlever. Ensuite, on va faire pareil avec la basse. Et puis après, il y aura quelques trucs à supprimer. Tac. On va prendre la basse. Tac. Je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est chiant. Hop, on copie une fois. On copie deux fois. Et bah, c'est carré, ça arrive pile à la fin. Ensuite, donc, il va falloir que je regarde juste où est-ce qu'il y a des trucs à supprimer. Et puis, bah, je retrouve bah, juste après. Ok, donc les gars, on va partir au début de la voix. Et on va avancer, on va avancer, on va avancer, 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 avancer. Tac, jusqu'au premier truc en overlap. Tac. Donc ça fait ça. Voilà. Et donc normalement, on arrive aussi sur un double truc comme ça. Donc je vais enlever le point. Et donc, on est là. On va se mettre sur celui-ci. Juste ici. Et ici, on va supprimer. Alors attendez, où est-ce que c'est? Je sais pas. Ouais, donc on va supprimer ici. Donc à partir de cette basse là, ce carré là, ici, on en laisse 3. Tac. Et on supprime la basse. Donc pour l'instant, supprimer juste les 3 comme ça. Je vous dirai où est-ce qu'il faut supprimer. Donc on laisse les kicks. On va juste enlever aussi les trucs gris juste ici. Voilà. Donc tac. J'ai enlevé ça aussi. Tac, juste ici pour l'instant. Et après, bah, faut que je regarde où est-ce que ça s'arrête. Alors, par contre, juste, il n'y a pas ça. Tac. Ouais, bah, pour l'instant, ça me paraît pas mal. Ouais. Bah, je vais regarder jusqu'où est-ce que ça va. Et puis, je retrouve juste après. Ok, donc, les gars, en fait, là où il y a le plus grand espace, donc, en fait, ça fait ça. Voilà, donc ça faut le chercher, donc il faut le chercher, c'est vers la fin, c'est là où après on a recommencé ça là. Enfin voilà, donc c'est juste avant, ici, tac. Et donc, on va laisser ce kick, enfin ce, ça là, enfin ça on le laisse, ça on le laisse aussi. Hop, ensuite on avance, ça on le laisse, tac. Et on supprime de ici jusqu'à là-bas. Donc c'est parti, moi je fais ça et puis je retrouve juste après pour voir ce qu'il y a d'autre à supprimer. Voilà, c'est bon, j'ai supprimé, il me semble, hein, je crois.
Ouais. Ok, c'est bon. Donc ensuite là où aussi on aura la basse, donc c'est pareil, on va supprimer. Tac. Hop hop hop. Donc c'est pareil, dès que je suis là où est-ce qu'il faut arrêter de supprimer, je vous retrouve. Hop, ça y est, j'y suis presque. Et donc, tac, ça va recommencer. Alors, attendez que je regarde. Ouais, alors bon, de toute façon, donc, on a sur ce carreau-là, on a le kick ici, là. Enfin, le hats, juste ici, ce hats-là. Et après, tac, sur ce carreau, ici, on a supprimé tout sur deux carreaux, sauf la voix. Donc tac comme ça, voilà. Hop, ça on enlève. On supprime tout. Hop, ça aussi. Ça aussi du coup, ouais, yes. Hop, hop. Tac. Hop, je remets ça, j'enlève ça. J'enlève ça, ça et ça, voilà. Je pense que je suis bon. Ouais. Ok, bah pour l'instant, moi ça m'a l'air pas mal, je pense. Ouais, bah je vais re-regarder. Attendez, bah je re-regarde les gars et puis je retrouve juste après. Ok, donc là, ici les gars, va falloir supprimer quelque chose. Donc là, tac, on avance et c'est ça. Donc c'est là où en fait on a commencé à enlever la basse et le truc gris. Donc là où il y a les plein de trucs, là, ici, donc, tac, on se met là. Et là, il y a un petit truc orange, on l'enlève. Ouais. Bah, c'est parti, je recontinue à voir s'il y a des choses à enlever, puis je retrouve juste après. Ok, donc ici, j'ai quelque chose. Donc attendez, je me mets un ping, tac. Donc là, on a ça, là. Non, attendez. Là, on a le truc qu'on a enlevé, les basses et tout. Voilà, donc c'est... pas encore là. Voilà, donc c'est là. Juste ici là. Donc vous voyez à peu près, je pense. Enfin, vous pouvez chercher à peu près la musique à quoi elle ressemble. Donc c'est juste ici. Et en fait, genre, donc sur le... Attendez, parce que je suis un petit peu perdu. Bah je sais pas. Genre je... Ça déjà il y a. Ensuite ça il y a pas. Tac. Ça non plus il y a pas. Tac. Ça ici il y a. Et les deux ici juste là. Après le T il y a pas. Donc tac c'est bon. On peut continuer. Hop on s'arrête pas du tout loin après. Donc là on a fait le truc. On avance on avance. Donc là on reprend la voix. Donc... Voilà, donc là où il y a ça, juste ici, donc on va enlever ici ça, juste ça là, je crois, je sais pas, attendez, ok, donc ces deux là on les enlève, voilà, et ensuite on monte, tac, et on enlève ces deux là, voilà, bah je crois que c'est bon, on peut continuer. Ouais. Pareil, on s'arrête pas très loin, donc là où on a fait ça, on va continuer un tout petit peu, donc tac. Là, on a fait ça, 1, 2, 3, 3 carreaux. Au quatrième, on va commencer à supprimer. Donc ça, là, ça, on laisse. On enlève juste ça, ça et ça. Ensuite, on va aller enlever ça et ça. Ah, c'est bon. On peut continuer. Bah voilà les gars, c'est bon, après il n'y a plus rien à supprimer. Et là on a fini, voilà. Tout simplement. Donc si vous avez tout bien fait, normalement, à la fin la musique, ça vous donne ça. Thank you.
Et voilà. Donc, juste la dernière note, je suis pas sûr. Celle-ci là. Attendez que je regarde vite fait. Hop. Allez. Je vais me mettre en vitesse x2, ce sera plus simple. Tac. Bah, moi je pense quoi, c'est ça parce que genre. Ouais, sinon c'est bon, les gars, on a fini. Donc, du coup, les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous n'avez pas liké, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Et bien, c'était Maxi. À plus pour une prochaine vidéo. Ciao.